Ce grand héros avait compris le futur, ce que nous vivons aujourd'hui. Lui, c'est Ahmed Sékou Touré, le descendant d'Almami Samori Touré. Il a préféré à tout prix la liberté de son peuple qui est la Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples africains demanda leur liberté totale. La France ayant compris cela, elle a rapidement changé de stratégie, en corrompant les figures les mieux placées pour être les futurs présidents dans leurs pays respectifs. La France proposa le néocolonialisme, mais sous forme de coopération entre ces pays et la France. Cette information circula partout dans les pays colonisés par la France. Ahmed Sékou Touré a pris la nouvelle. Il fut mécontent car la France, qui était censée donner la liberté totale sans condition, demande un vote oui ou non d'appartenir à la communauté française d'Afrique. Alors Touré appela tous ses homologues de voter non à cette nouvelle forme de colonisation. Pour la première fois, tous ses homologues étaient avec lui. Mais le lendemain, à partir de 1 h, l'un de ses homologues appela Ahmed Sékou Touré en lui disant de voter oui. Sékou Touré, très déçu de ses paroles, prend une décision seule de voter non. Deux sensibilisa ses amis guinéens de voter tous non au référendum. Général de Gaulle ayant passé dans différents pays, C retrouve à Conakry. Il pensait avoir la même réponse que d'autres pays, sauf quand il vit les résultats du vote. Très fâché de cette réponse, il demanda de brûler tous les documents et emporter tout objet de valeur que la France avait envoyé en Guinée. Ahmed Sékou Touré devient alors le président de la Guinée et ajoute ceci: « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Cela faisait mal aux Français. En 1960, il créa la monnaie guinéenne, le Sili. Mais sachez que cela n'était pas facile, ils sont formés plusieurs coups d'État. Tout a échoué. Aujourd'hui, certains pays regrettent pourquoi ils se sont pas ralliés à lui.